Bongo Millennium, Bongo Millennium. Mesdames, messieurs, amis internautes et tous ceux qui auront l'opportunité de suivre cette émission dans une ambiance évidemment familiale ou professionnelle, nous sommes et aussi surtout patriotiques. Nous sommes avec vous encore une fois en ce lundi, donc 16e jour du mois d'avril. Vous avez donc compris que c'est donc le 16 avril de l'année 2018 avec vous pour discuter, échanger, n'est-ce pas, à faire des analyses sur l'actualité donc, qui remplit nos têtes, nos préoccupations, nos soucis, notre pauvreté et surtout notre misère. Ici en République démocratique du Congo, bel et bien Jackie Ndala, votre humble serviteur, et aussi à la caméra, c'est donc notre ami Jires, comme d'habitude, et aussi n'oublions pas Ricky Dibenzi, lui qui est donc le patron des Congo Millennium. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition de ce jour, nous allons donc parler des élections en transition sans Kabila et aussi trahison pour ceux qui acceptent d'aller aux élections avec comme président Kabila et ceux qui pensent qu'il faille donc mettre à côté Joseph Kabila pour créer une transition afin d'aboutir aux élections démocratiques, transparentes et inclusives et libres. Nous allons parler aussi de suspension de la trêve du comité laïque de catholique, leur implication dans le combat, leur implication dans le changement, leur implication dans la lutte, les partis politiques, quels sont donc leurs rôles dans ce combat, les mouvements citoyens et aussi la société civile. Dans cette émission, nous y reviendrons. Nous parlerons enfin du peuple congolais dans son ensemble. Qu'en est-il évidemment? Est-ce que le peuple accompli que son pays est occupé? Est-ce que le peuple est donc réveillé, a pris conscience? Est-ce que le peuple est prêt à pouvoir se battre pour libérer son pays? Dans cette émission, dans ce magazine de ce lundi 16 avril, nous parlerons de ces trois grands points pour faire comprendre comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut évidemment que chacun de nous retienne par rapport à ces événements. L'implication d'abord personnelle, l'implication individuelle compte énormément dans ce que nous vous disons aujourd'hui. Nous suivons, comme vous bien évidemment, tout ce qui se passe à travers le monde, à travers le pays, à travers la diaspora congolaise, en fait, évidemment RD congolaise. Qui dit quoi? Les grands leaders de l'époque coloniale qui existent encore en leur point de vue, ceux qui ont dirigé le pays avec Mobutu, Sese Seko, Kukungbendu, Azabanga, ils sont en exil, qu'est-ce qu'ils pensent aussi? Et aussi ceux qui ont libéré le pays, entre guillemets, avec Mzé Laurent Désiré Kabila, donc de tristes mémoires, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et surtout, le plus de 17 ans au pouvoir de Joseph Kabila, qu'en est-il au juste? Et aussi, ça, ce sont les grandes questions. Nous posons, irons-nous aux élections, oui ou non, et comment est-ce qu'on peut avoir dans ce pays la possibilité d'avoir une transition sans Kabila? Sous quelle forme, sous quel format, et comment est-ce que Kabila devra partir? Est-ce que ça va être une démission? Est-ce qu'il faut le débouter? Est-ce qu'il faut un coup d'État? Toutes ces questions circulent dans nos têtes comme des champs de tir où on balance à tout moment, et en même temps, cette série de questions place la confusion, la contradiction, et surtout, ça place la tristesse, le regret de s'imaginer « mais pourquoi je suis né congolais un jour ?» Voilà, nous allons devoir tenter, avec évidemment la permission de vous qui avez l'opportunité de nous suivre encore une fois aujourd'hui, sur ces grandes questions concernant notre pays. Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes citoyens congolais engagés pour pouvoir défendre notre pays. Nous ne disons pas dans cette émission que nous sommes journalistes, pas du tout. Je ne suis pas journaliste engagé, je suis un compatriote, un citoyen, donc pour ceux qui aiment bien m'appeler patriote résistant. Voilà. Nous allons prendre le premier point, élection. Pour ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections cette année, donc c'est une trahison, on n'est pas conscient, on est ces six-là. Je suis un grand leader politique, je ne vais pas citer son nom dans cette émission. Ceux qui l'ont suivi comme moi vont pouvoir comprendre. J'évite quelques petites polémiques qui ne servent à rien. On devient trop fanatique, on oublie évidemment l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment, le changement de régime dans notre pays, advienne que pourra. Il faille qu'on y arrive pour que nous puissions voir d'autres personnes, d'autres institutions passer de l'époque, n'est-ce pas, de l'homme fort d'un pays à l'époque des institutions fortes qui peuvent perdurer, qui peuvent rester pour la stabilité macroéconomique, pour la stabilité sociopolitique, pour la stabilité économique de notre pays. Il est donc important que le régime de Kinshasa quitte et que cela se fasse dans la tranquillité, dans la paix, avec une alternance possible afin que nous puissions recouvrer, n'est-ce pas, notre dignité dans les concerts de nations. Mesdames et messieurs,
Qu'en est-il des élections? Nous avons suivi Bolandi, Bolibis en français, on peut bien terminer, Kolwara, Romé Kolwara. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe évidemment dans ma campagne? Tolandi, il y a deux ou trois jours, Neko Moko, Adoloba, Nengeza Boye, Bozoke, les élections, on a 2011, pardon, on a 2006, Boye, Boutou Makas, Boukendaki, Nebsa Kibino, on a 2011, Nebsa Kibino, élections, on a 2006, 2017, Bozoumon, voilà. Tout ça, ils ont un bois solo. En tout cas, on déconne, on a raison, on a mignon, on a raison. Tout Boye, on a la polémique, net, voilà, sur le commis de l'eau, ils allaient quand même, pour la bango, pour la bino. Boulim Bissanga, ils appellent un Nengiwana. Dekoana, Azekolo, TV Koloba, à combien de petits experts, quoi. Ils ont pu savoir la nationalité. Jacqueline Dalawana, Zoma Mingi, Azam Kolobo, Azam Rwandais. Comme si nous, Bissot Photo Banga Rwandais. Tout le monde, Linga Rwandais, Rwandais, Bazan. Non, 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 tout le monde, Linga Rwandais. Et animaux de distraction, évidemment, quand on a libéré les gens, il y a des gens qui ont libéré les gens. Il y a un régime qui a libéré les gens. Vraiment, tous à la sérieux, tous à la conscience, tous à la conséquence. Botika fanatisme. Mboka oyo, ezalaki na tozaki na boumbu. Yamobutu, boumbu, boyebiango. Nazaki, nga na kola ki, nga na botami na n'époque Mobutu, na kola n'époque Mobutu, na zui diplôme, évidemment, n'époque Mobutu. Na yebi ke bino de bozana bo yebi ke, batu bazana Mobutu, lolo bazana potu, bazana exil, bakomo sa position. Ton solo lampe, nan lolo face à face po, nan mon nan ma distraction zan la kat na bino. Mais c'est bien bon. Les gens de Mbutu qui étaient ici, qui étaient des Congolais, qui étaient Zaïrois, nés des pères, des mères, des grands-pères, des arrière-parents. Et là, on a dit que c'était un peu de temps. Tout le monde a dit que c'était un peu de garde civile, vous allez dit que c'était un snip, vous allez dit que je ne sais pas, Air Zaïr, vous allez dit que la phase. Et là, on a dit que c'était un peu de temps. Parce que pour moi, ils ont occupé les gens. Vous allez dit que c'était un peu de temps. Et puis c'est le pouvoir dictatorial. Tout le monde est dictateur, mais c'est le dictateur de la gloire. Neti ba Saddam Hussein, et pardon, Bolimbi Sangai, neti ba Muammar Kadhafi na Libye. Muammar Kadhafi a une dictature, il y a Malunga pour accueillir, mais il y a un mouvement. Pays est stable. Mais solo, il y a un respect de la Libye en Afrique, en monde. Même pas, l'Occidental va bombier. Bino Bozaï n'a pas eu. Ba konzimi nene. Bobo mate. Marche à ma chrétien le 16 février. Ani na bosani. Bobo mate ma sa cité. Bobo mate. Tout nan apenda yango. Parce que tout ça banalise. Il faut avant tout le bambamboule lo. Non, oui, voyez lobby. To yeba. Histoire communini. Et ça m'a dit, bobo sanarate. Bobo sanarate yango jamais. Oui, mais c'est bien bon que le Walibanda, Kabila Kanambe. Non, non, c'est bien bon. Et bat mousso bobo sanan. Ningo tosa na mboka oyo okoki kolonga na émission té na TV na radio ba Kabila Zalika Nambe okoki ko tola ngote. Oui, parce que tant ozo sala combat okoko sala combat tosa na prison okoko sala combat tosa en exil té toti ka aventure toti ka vraiment ba aventure bande ko ozo buna o ba combattant bazana pour na ba stratégie évidemment ya mayele ya ndinga ya kutia pression voilà ça c'est vrai ya kutia pression. Mais lutte, engagement, boutique d'aventure, voilà. De nous considérer, bien sûr, tous en moka, tous en courage, dans le risque, il y a vie, il y a vie, il y a vie, il y a marche, il y a la télévision, tout ça, tout ça. Pourquoi tu appelles Bakangi, caméraman, tu appelles la macala, tout ça, c'est mission. Tout ça, c'est mission, tout ça, c'est mission de prison. De quoi vous voyez combien de fois? Vous voyez les sous. De quoi Frank Diongo, un vrai combattant, leader, incarnant, va aller rebeller, à Zawapi. Donc, et Zali n'a pas n'y a colobé là. C'est-à-dire, même temps, on a une arrogance. De connaître mon nassim, à Zali le loapi. Même si on a dit que on a un samando qui peut être en Kabila. Mais c'est vrai, il faut le faire dans la discrétion. On a un colobé, on a un bon, on a un bon, on a un rébellion. De Kochibang ou John, à Zawapi. Voilà. Tout ça, ba nyamate, tout ça, ba zobate, ko traité, mission, dire, ba zo, mo, boye, boza nan mboka wana, bolinka mbong, Kabila ngou mbong, apesi nani, pou esa nani. Pou tout ça, la naye, to li api mbong, évidemment, mais tout ça, courage à kolongwa. Awana Kinshasa, ba nougebele, ba chami, nougebele, ba TV, ba zo, ba broche biso, net, ba ta opposition, mais ba za, ba to a servi sa renseignement. Ba za, ko infiltre biso, ba sa l'information. Nan, on a compris tout ça. Donc,
mutu oyo azan na poto lelo azoloba mais bozo lobate kabila azan bozo lobate kambo rezo kipe point nine bakui kolo bango te ouvertement biso tozo lobango tozo za risque tozo ba risque minene ya minene penza kolo kabila na kabila ndenga za wana il faut libérer mboka eza risque parce que azali prêt ya rosa na nyonso Rossi au Babomi Rossi parce que ezaki pena plan planifié que non dimanche oyo il faut bête mon balai na sasi c'est planifié ba information bimi e bani de lo boy bango bien ko aussi bazon to kuna ngote parce que évidemment mais so ba ko on bima et ko sala mobulu makasi ko pepe makasi pour to se préparer pendant ndenga biso voilà to ça infiltré to ça c'est la jour c'était préparé que jour ko on ko bima en tout cas jour wana quand tu vas faire la marche, mais nous allons maman événement. Mais comme tu as que préparer ma activité, les gens ont là information et fuite et bimé et comme il mango, mais ok, allez, va bloquer nous ton mouning à la bise. C'est ça. Tous en a pouvoir t'es, tous en a mando qui t'es, tous en a bon côté, tous au bout n'a pas n'a bolingo yamboka. Il faut vous reconnaître yango. Bon, il m'a monté qu'à soit côté prison, mais c'est quoi ça? Bon, mon tuteur casse pas bomillé. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mon tuteur se peut être bengami pour pas bomayer. Mon tuteur se peut être bengami pour à côté prison. Non. Et la lutte, c'est être libanda. Bande au carbone beni le loup. Basan la prison. Basan la aner. Basé belé, basé belé. Basan goma, basan bukavu, basan beni. Basan master belé, basan la prison le loup. Basan combattant, basan tout bena basan lutter, bena basan na champ. Y a champ d'honneur. Baza wapi. Alors quand on était dans la muki, yo tant osaimo kozimuni na mboka, osale loro moko te. Osale loro moko te, loro moko te, oyo kabila zo sala oyo contre le gola Rwanda étranger là. Yango yo pour ça là. Clairement. C'est kabila fait aujourd'hui là, il tue le gens, c'est ce que toi aussi tu avais fait. Alors, pour intégrer le combat, la lutte que nous menons, prends courage, viens yone mobali biso to abasi. Viens dans le pays ici, viens dire ce que tu dis là ici. Les kana ba chaîne ezali to le kana ba chaîne to lo ba. Ba chaîne ezali. Il y a chaîne Zali Neti CCTV, tu le vois à Jean-Pierre Bemba, tu le rappelles à chaîne Neti Adolphe Mouzito Desas TV, tu le vois à Molière, il y a Papa Nemalema, tu le rappelles à TV, tu le vois à Canal Kinya Bemba, tu le vois à. Donc on est aussi un peu libre ici. Oui, malgré les intimidations, les attaques, les donc, mais on tient le coup. En tout cas, c'est vrai. Rentre faire ton travail. Tu es un garçon intelligent. La télévision, c'est ta passion. Viens, intègre ta maison de presse. Continue ton travail. Arrête ces histoires-là. On nous a déjà appelé plusieurs fois. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et parce que nous avons un objectif. Nous savons qu'évidemment qu'il faut libérer le pays. Alors, il ne faudra pas que vous veniez avec des langages, un peu d'arrogance. Non. Vous écoutez dans mon tour, Félix, tu sais que tu es à l'Obaké, à Zanako, à l'Obaké, non, tu es à l'Obaké, tu es occupé, tu es Rwandais. Non, c'est la xénophobie. Mais c'est ça. Vous identifiez une communauté, par exemple, Tutsi, vous dites, mon exemple, il y a Tutsi, il y a Zanako, il y a Rwandais, il faut que tu aies un grand leader. Un grand leader ne peut pas les faire. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas les pousser à les faire. Vous le faites parce que vous êtes à l'étranger. Mais c'est vrai. Vous écoutez, on était tout le temps à Martin Fayoulou, là, Bagayon Bogaza occupé, Moulbatana Baza, Bazaba Rwandais, Kabila Zan Rwandais. Il ne, même si c'est vrai, il ne peut. Ah oui, qu'on s'en a un côté. C'est ce que vous ne comprenez pas. Yozo le Bayango librement parce que ça, il y a un Namboka. Yaka qui s'en sort le bas. Viens. Alors, dire que tu as une élection, tu as distrait. Non. Les élections, tout Congolais sait. Que ce Kabila a organisé l'élection, il a l'élection à B. Toye biango. Toye biango. Mais tozan a choisi. Tozan a choisi. Bino wolobi na biso, to ke na l'élection te. C'est d'accord. Lelo, ba leader a miné, tu fais ce qui est dans le bon. Tozan, la marambou de bolo, c'est ça le mapin en moka. Na 2006, Etienne Tshisekedi dans Moulumba, leader de l'opposition, banné pour un bout. Alors, Bino Mandegobo, ke na l'élection te. Na 2006. Bat pas s'enrôler. Je me rappelle encore, maman Bazaï Bazara, leader mouné na IDPS, allons-moi pour la IDWAN, à côté de MLC. Est-ce que tu gagnes dans l'élection? Est-ce que Kabila a bien raté? Mais répondez-nous. Parce que vous parlez tellement trop, comme si nous on était bêtes, comme on était des petits chiens. Franchement, comme si tu perdais comment partir à cerveau, Nabisso.
Bien que Tshisekedi avait dit qu'on n'aille pas aux élections, les élections ont été organisées dans les conditions que vous connaissez, oui. Et Kabila a été publicité président. En 2011, Ndenge Moko, Kabila a triché, oui, c'est vrai, tout mais il a été plébiscité président. Ce que vous voyez, c'est que vous avez dit que vous avez élection, il était dans les années. Vous avez dit que vous avez élection le 23 décembre, en zone d'élection, pour vous organiser. Mais pression et l'équipe, besoin de toucher pression. Ah, sous candidat, à mon ah, match est silly. Tu mets un petit contre-mur aux candidats. Déjà, ça, c'est un acquis. C'est ça que vous ne dites pas. Si ce Kabila ne sera pas candidat, c'est un acquis. Et ça, qui est néné, bon, le Bayango, qui les fils de ce pays se sont battus. Ils se sont impliqués. Martin Fayoulou, Franck Diongo, Zébélé, c'est Bundi Penzan Mboga, Oyopo, Kabila, ça sous candidat. Mais c'est formidable. C'est un acquis. Même un grand premier pas. Nous allons comme ça aux élections. Il dit, on va aller aux élections. Bon, vous nous dites, nous, bon, tout le monde avait élection, on reste à la maison. On fait quoi? On continue à faire des marches. Mais venez faire les marches avec nous. Venez faire des marches. Venez prendre le risque que nous prenons. C'est une formidable idée. Venez, boya. Tout ça, là, va marche. On a CLC, tout ça, là, va marche. On a parti politique, on a société civile, on a mouvement citoyen. Boya. Comment est-ce qu'un Congolais digne de ce nom, au vent dans la poteau, aux gens dans la partie politique dans la poteau, mais là qui ça, ça va, attaque tout le monde, attaque, non, voilà, pas nous, il y a un parti politique, siège nous, il y a un siège nous, il siège à parti politique, il y a la France, la Belgique, en Angleterre, en Canada, en États-Unis, il y a un siège à parti nous, il y a un parce qu'on se appelle Mingi. Parce que ce tribu, il y a un c'est ça. Donc, moi, je pense que dans cette émission, pour tout se respecter, si vous avez une élection, vous pouvez faire une solution palliative. Bandeko, vous avez une élection, vous avez une libérer vous avez une vous avez une pour décembre, vous avez une élection. Vous avez clair. Donc, il y a des choses où vous avez une élection, vous avez une TV, vous avez une élection, vous avez stratégie, vous avez une élection, vous avez une donc, on n'est pas bête. Nous savons ce que nous faisons. Tout le monde est au sale. Donc, les solos, on a une élection. Si on a une élection, Azali traître. Et ça, faux débat. Transition sans Kabila, on a une élection. On a une élection chaque jour. On a une élection. On a une élection. On a un plan. On a un tableau. Kabila X, transition. Zanetti marche. Y, objectif. Tout ça. On a un schéma qu'on voit. Des schémas mathématiques simples qu'on comprenne. X quitte, Y remplace, Y nous amène au point B, le point B qui sera donc l'objectif atteint de les élections, et après les gars qui organisent les élections, qui est le point Y, vont nous amener au Z, et Z prend le pouvoir, et on continue. Transition, on a un point A, où il y a transition, débat, transition, tina, point B, autour ça va élection, et on a la période Nini. C'est vraiment mathématique, c'est clair. Donnez-nous, faites-nous un schéma. Vous ne dites rien, mes frères. Vous ne dites rien. Car si vous êtes rwandais, si vous êtes collabos, mais vous avez vu à Congolais, ah, bon salani. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays-là? C'est maintenant que vous voulez faire quelque chose de grand. Alors, respectons les gens. Vous voyez, je n'ai même pas cité le nom du marché Mobutu parce que paix à son âme, je le respecte. Alors, soyez vraiment intelligents, aidez-nous. Nous allons directement passer au deuxième point. Le comité laïque à Salaki Trève. Ti mois d'avril et si là. Ce qui ma revendication na biso ezali répondu te ba répondre na ngote de reprendre ma marche belle initiative moi je pense d'ailleurs même qu'ils arrivent pendant pour na ngote parce qu'à chaque fois tout ça la marche va te bakufaka to lingara so ki to kundi ba to bakufaki ne to lancer marche mususu to zana elombe moné na kufaki akoyaki oyayebani pour mususu bakufaki pe boyi bangote basi bele bakufaki boyi bangote mais lombe akufaki to kumisa kombo lelo aussi. Nous autres, on a eu place Ezali. Donc, à ta famille, on a eu au monde en côté. Donc, ils avaient raison. Tant que vous freiné, ma marche. Pouvoir pèser, pouvoir mon diabolique. Quand on a eu comme ça, le bazar, on a eu ma bé. Il y a ma bé, il y a ma kasi, il y a ma bondoki. Pour que nous autres, on a battu les autres. Nous avons eu plus de 40 jours. Ils sont incroyables.
ils sont vraiment incroyables, mais ils paieront, ça c'est sûr. Les Mende, les Kabila, tous ces gens, ils paieront, même leurs enfants, ça je vous le dis. Ils paieront, les général Kasongo, ils paieront. Tous ceux qui jouissent de ce pouvoir aujourd'hui, ils paieront un jour. Ils paieront, juste pour avoir humilié la dépouille mortelle de Rossi. Ils vont payer, ça c'est sûr. Fumukimbangu, Azalipena, ou à Tomboato, Yamulimu, Yabiso, Vuluzi, Yabatobaindo. Patrice Emery Lumumba, Baboma est ma belge, n'a compris ça, ma congolais. Ndegonangai Hussein, Ndegonangai Thérèse, Ndegonangai Rossi. Ba congolais ne ba bomi bango ba congolais ba sali plan na bango bon ça va beta massage bomi de konaye ya ndenge mokoti donc boye ba yango bien ou ba lana nga bazana mboka oyo boko futa bo erole ka bongo te ta ba bantu ele ka bongo ti donc bref boye ba ki ba parti politique na ba mouvement citoyen ba lembite ba ko lembate les loups, mouvement citoyen, ma parti politique, société civile, où ils ont contre-régime à Kabila, ils ont encore impliqué ma casse. Ils ont impliqué ma casse, au Saralaté. Je pense que tant que la marche, au moins, on va salim. Parce que tous la marche. Donc, ce Kabila, ce moment, nous avons en tout cas, on va les mais on va peuple, on sauté. Et le bien, on décore aussi, on va le bakout, on va le bakak. Le peuple gagne toujours. Il faut raisonner dans ma touille, il y a Kabila, il y a Robin Minako, il y a Kengo Adondo, il y a Lambert Mende, il y a Matata Ponyo, il y a Maman Olive. Le peuple gagne toujours. Il faut raisonner ma touille, il y a Kalev, il y a Généraux Nyonso, il y a Armée, il y a Généraux Nyonso, il y a la police, il y a Service de renseignement Nyonso. Il faut raisonner dans ma touille. Le peuple gagne toujours. Bisote kokufa pour attendre ma sasse à Kabila te au kokufa na malade au kokufa na accident mais au ba kufi na nzela ya ma sasse au Kabila na armée ba beti batu to kokufa les sous mais bango be ba kotika na kimia te c'est ça la vérité c'est ça l'honneur bande ko bazana mbuto ah ba bomba batu ah bazana kimia te ba mbilo ba loba bazana kimia te il faut arrêter de bêtises bazana valeur on peut ça tout bazana mboka oyo les soins alité. Bissot accompagné Kabila, c'est vrai, ils ont une stratégie. Ils ont deux mandats. Papa n'a bunda qui va y aller, mais tout le monde va dépasser. Mais ça va, ça va, ça va, ça va, mais après deux mandats, Kabila au long. Quand Kabila a au long, il y a un autre qui est lié. Ils sont normal. Ils sont normal et valable. Et tout ça, sûr que Kabila a au long. Et le moindre mal, boye bien haut, tu peux écouter un combo à pour la publicité à mon tout, tu peux t'en sortir à mon tout. Voilà. Tous les peuple congolais est qu'azali conscient. Mais oui, parce que tout est-ce que le peuple aïe vivement que Mogazali est occupé, Zali infiltré. Non, mais bien que Mogazali est infiltré, et Zali occupé, t'en expliqué l'autre fois. Donc, parce qu'ils ont occupé la Nenga Kanda. Moi, on a vu tout yébi qui va Zali. Tu sais, on a dit qu'on a Zali, il faut pas qu'on infiltré, très bisous. Mais ça tire à niveau alcoolo. Tout le bango clairement. Tout le besoin aux agents de Okima. Non, tout le bango soit Kangaba Kangabiso. Mais au moins, on dit la vérité. Bon, Kangabiso, Zali occupé, Zali infiltré. Peuple aïe bien haut. Pour peuple aïe bien, on n'y a pas de cas. On n'y a pas de cas. On n'y a pas de peuple aïe bien. À comprendre. Pour la passe, misère. Tout ça, donc, la passe. Tu comprends que tu es un territoire, tu es infiltré. Tu es un territoire sur mon thème. Pour passer les qui. Tout ça, qu'on souffrir. Tout ça, qu'on kemba à niveau qu'on imagine. Tu es un peu. Peuple commence à comprendre. Ce n'est pas pour rien. On marche à celle-ci qui est dans la balabala. Tant que je suis en opposition, je suis en Kabila, après l'accord, il y a Saint-Sylvestre, il y a Chibala, Batibanga, tant que je suis en Kabila. Et décourager le peuple. Le peuple a dit, ah, vraiment? C'est tout ce que je suis en train de faire, je travaille sur le Non, mais en tout cas, la politique en Bougé, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Le peuple a dit, et je me dis, attends, il est bien, ça marche, je suis en train de faire. Tant que l'église catholique, CLC, Société Civile, je suis en solo, ma lancé marche na ebisino vous avez mon ngé salaka ils a jeté ils ont bougé mboka et puis ça et ça le dimanche et jour ouvrable été mon combat ba kevermé c'est ma jour ouvrable ça sous souka et ils a ngé ba stratégie donc besoin ba leçon on peut s'habituer na kuna na poto aux akuna aux osa makelele
Non, non, viens ici combattre, viens te battre ici comme nous. Si on va t'arrêter, mais c'est normal, c'est le prix à payer. Fang Dong n'est pas un lâche. Negumbuyambo, aza lâcheté. De que les airs, aza lâcheté, bah kanga kiye, la tikiye. Pas problème, c'est Coutinho, Fernando. Negumokia, bah ça va lâcheté. Bah quand t'as la prison, pon la bitumba, pon la vision la bango. Et bah assumer. Yaka, ozo banganin, yaka. Nazo pesa sou le koumou et pa yande go, nabiso John Chibang. Ah, je me courage, n'aya lobby pa, ba sali ma manèvre dans ma kangye. Aza ko assumer, aza mo bali. Aza ko assumer yango, fe ko assumer. Gane naza bo, nana lo bango chaque jour. So ki le lo ba kangye ngayi, na ko assumer. So ba beti ma sas na koufi, zon zoto oyo, oyo zo mona oyo, zay lo rote. Ono, bo la tchango veste, kravate, bo tchango na serke, kou mekate. Tumba yango, chapine, tchè essence, tumba yango. Zo poussière, boire la fleuve. Oui, parce que vous avez dit 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 que Sur yon vannes au batte, non, chacun son émission de musique, la minute, la période où on a lancé l'émission de musique, c'est pour ça, pour un boire, ou un l'obanin, un bajibé, kofi, pas l'obanin, pas l'obanin. Il y a distraction, la minute où il y a vraiment distraction. Parce que tout un engagement et tout un objectif, ils en ont libéré. Et on se bat sur place, ici à Kinshasa, en RDC. Tout le monde va descendre, il y a Lubumbashi, Bujimai, Kananga, Mbandaka, Lissala, Bumba, Kolwezi, Inkisi, Kimpese, Mwana. Tout le monde va quitter la descente, la minute, il y a Bouka, vous béni, la minute, tout le monde. C'est pour vous dire que l'engagement est ferme. Et ça va jeter autour de ça. Donc, si vous avez un discours, proposez quelque chose, ça c'est la conclusion, proposez quelque chose et dites-nous comment faire. Peut-être que l'idée peut nous écoute, on a l'élection en 2006, il faut participer bien, il faut y aller. Donc, il faut aller sur le temps. Donc, laissez-nous qui sommes sur place, nous qui maîtrisons la réalité, nous qui sommes sur terrain, nous qui sommes au front, laissez-nous nous battre pour notre pays. Ça, c'est notre pays. Nous avons pris l'engagement. On n'est pas lâche. Pour nous, nous avons trahir l'habitude de nous. Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes bien sur votre émission. Nous avons une émission de la morale morale à l'écolo parce que la CPL a quitté notre traité, nous avons traité, nous avons tenu une élection comme des traîtres. On va très traiter. Il y a des stratégies d'accompagnement. Ce que nous faisons, on ne peut pas vous le dire si librement. Pourquoi? Ce que nous faisons, les stratégies internes, quand on planifie, voilà, on va aux élections parce qu'il y aura ça. Est-ce que vous voulez qu'on vous le dise pourquoi? Ça va changer quoi? Prenez le temps de nous respecter. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne vous attardez pas des bassesses. Non. Prenez le temps d'être conscient. Tout ce que nous faisons pour l'intérêt de ce pays. Voilà donc, c'était donc 30 accus de ce lundi 16 avril 2018 avec votre humble serviteur Jacques Indala. Je vous dis grand merci. Merci à Jires qui était derrière la caméra. Merci à mon frère Ricky Dibenzi. Merci à Congo Millennium. On se retrouve dans une même ambiance pour d'autres sujets le week-end. Au revoir. Congo Millennium.